vous allez bien? Je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo avec trois choix possibles sur un questionnement qui se présente à vous, hein, qui vous titille peut-être. Nous sommes à la veille du réveillon du jour de l'an, hein. Bientôt, nous serons dans une nouvelle année et peut-être que vous vous posez des questions sur cette nouvelle année, peut-être que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va émerger. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ou quel est le message que cette fin d'année, ce début d'année vous invite à entendre, à recueillir? Et c'est pour ça que j'ai choisi les cartes qui sont devant vous. Alors j'ai choisi le message des papillons d'Alana Fairchild. Donc je trouve ça très joli, elle a fait beaucoup de papillons et derrière la carte, eh bien il y a un message particulier pour chaque papillon particulier. Voilà, je vous présente la boîte, comme ça vous avez une petite idée si ça vous intéresse. Hein. Je présente toujours les jeux que j'utilise. C'est forcément des jeux que j'aime beaucoup, qui sont très parlants pour moi. Et puis en dessous, donc j'ai doublé les jeux, enfin les tirages, d'une deuxième carte qui viennent. Vous l'avez peut-être déjà entreaperçu sur mon groupe Facebook. Le Merry Christmas, l'oracle normand de Claire Duval et de Célia Mendesville, que j'aime beaucoup aussi. Très joli jeu, le normand, oracle, hein, c'est entre les deux. Ça se veut très inspirant et inspiré. Donc, vous connaissez le principe, vous allez choisir un des tas, une des options possibles sur ces trois options possibles. Vous avez aussi, je vous le glisse, la possibilité d'avoir deux questions et de choisir deux tas. Ou trois même, hein, si vous exploitez pleinement ce qui s'offre à vous. Voilà, je vous laisse faire cette petite pause pour vous si c'est nécessaire. Et puis, on va commencer par la première partie, le tas numéro 1, la première sélection pour qui l'aurait choisi. Alors, nous avons cette carte-là. Et si on la retourne, on voit le message qui nous dit « La vie est bonne envers toi ». Alors, je découvre, hein, comme vous, hein, « La vie est bonne envers toi ». C'est intéressant de ressentir qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez cette phrase « La vie est bonne envers toi ». Est-ce que c'est ce que vous avez l'habitude de percevoir dans votre quotidien, que la vie est bonne envers vous-même? Est-ce que c'est des choses que vous acceptez de recevoir ou de considérer? C'est là où vous êtes invité. Et peut-être que si vous avez une question particulière et vous vous dites « ça ne fait pas tellement écho », on va aller regarder cette deuxième carte, mais en tout cas, il y a un message qui s'invite à vous ici. Et cette deuxième carte, oh, ben écoutez, c'est le livre des comptes. C'est intéressant parce que justement, on regarde ce message-là. Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de lire, de regarder dans les événements que vous vivez? Est-ce que vous vivez la vie comme un conte de fées ou au contraire, vous êtes très éloigné de cette idée de conte de fées? J'en conviens, l'actualité nous pousserait à penser que nous sommes bien loin du conte de fées. Et en même temps, quelle histoire avez-vous envie de vous raconter? Quelle histoire avez-vous envie d'écrire pour vous en vous reconnectant à « la vie est bonne envers moi » Je pense que c'est très poétique, c'est très joli pour... un message qui nous ouvre à 2022, eh bien, ça vous invite probablement à rechercher une certaine douceur et chercher une autre lecture de la vie et d'aller chercher un peu la féerie de ce monde, la beauté de ce monde et de sentir combien il peut y avoir autour de vous la possibilité d'être le propre créateur de quelque chose de plus doux, de plus agréable à vivre. La vie comprend tous les possibles. Et on fait des choix, on vit dans un contexte et une époque particulière, certes, mais c'est souvent le regard que l'on porte sur tout cela qui fait que l'on va le vivre plus ou moins avec l'idée qu'il y a du bon dans ce monde. À vous de voir, hein, ce choix que vous faites. Voilà pour ce point numéro 1, pour cette sélection numéro 1. On va passer à la sélection numéro 2. Très beau papillon aussi, moi j'aime beaucoup. Plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Bon, on n'est pas loin du message précédent, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait pareil, puisque là, il s'agit de faire confiance. Il s'agit de laisser faire la magie de la vie, de laisser faire
qu'il y a, en lâchant prise, en faisant confiance, de possibles miracles. Donc ça vous invite à un lâcher prise, à une confiance, à une foi, je dirais. Et regardez, oh bah c'est joli, nous avons le sapin, c'est-à-dire un beau sapin avec une étoile ici. Le sapin, c'est l'ancrage, c'est les ancêtres, c'est l'histoire, c'est la profondeur, c'est aussi la santé, l'enracinement. Vous avez de bons acquis, vous avez des bonnes bases. Il s'agit de les consolider, de faire davantage confiance à la vie, confiance aussi à tout ce que vous avez construit, à votre histoire, à vos connaissances, à votre expérience, à plein de choses. Et il y a certainement des clés dans votre histoire qui peuvent vous porter à faire davantage confiance. Tout est là, tout est là. Et les choses s'accommodent et s'agencent, parfois avec une certaine magie. Donc, en regard de votre question, de votre interrogation, vous êtes davantage invité à faire confiance à la vie et au potentiel, hein, c'est-à-dire à votre expérience passée, à ce qu'il y a derrière vous aussi qui vous porte vers demain, vers cette étoile. L'arbre, c'est vraiment l'ancêtre, c'est le guide, c'est le soutien aussi, hein. Faites confiance. Vous n'êtes pas seul dans votre existence. Vous êtes porté aussi par des mémoires qui sont fortes, puissantes. Et si elles sont bien enracinées, si vous vous y reconnectez, vous pouvez faire confiance. Elles vous aident. Voilà pour ce message numéro 2. Et puis, on va passer au message numéro 3. Voilà, un papillon. C'est beaucoup plus pastel. On est dans les couleurs un peu plus dorées, plus claires, plus légère. Je choisis de vivre avec courage. Je ne permets pas aux autres de m'intimider. Je tiens bon. Je n'abandonne jamais. On a un message ici qui est un message de volonté, de force, de tenir, de prendre sa place, hein, de s'affirmer, de rester ancré aussi d'une certaine façon. Choisissez de vivre avec courage. Ça veut dire que, ben oui, les peurs sont là, mais on se dit, j'ai ce qu'il faut en moi, j'ai la force, je ne vais pas me laisser intimider, ou je ne vais pas laisser le regard, les jugements, les propos, les découragements me freiner, me rendre fragile. Je vais tenir bon parce que j'ai le potentiel pour tenir bon. Je n'abandonne jamais. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages, et c'est quand on abandonne que l'on ne peut pas vivre l'expérience jusqu'au bout et comprendre ce qu'il y a à dépasser. Alors voilà le message qui s'invite à vous avec ce beau papillon-là. On va aller regarder ce qui se complète. Le ballotin de chocolat. Alors, dans le normand, le ballotin de chocolat, c'est le serpent, hein. Ici, le ballotin nous invite à la tentation, à regarder ce qui se passe au niveau de toutes les tentations. Ça nous parle aussi souvent de tout ce qui est séduction, mais ça parle aussi des guérisons. Le serpent, c'est la guérison. Alors évidemment, dans les chocolats, on se demande ce qu'est de la guérison, mais le chocolat, c'est aussi ce qu'on va manger pour nous adoucir, hein. Cette recherche de magnésium, quand c'est du chocolat bien noir, il y a du bon, hein, dans tout, et du moins bon. Alors, trouver son équilibre, trouver son équilibre dans ce qui nous attire, dans ce vers quoi l'on tend, dans ces tentations que la vie nous offre. Et si je le remets en phase avec cette carte, je choisis de vivre avec courage. Donc, je ne me laisse pas intimider. Je vais vers ce qui m'attire, je vais vers ce qui me semble bon pour moi. Je tiens bon, je n'abandonne jamais. Si je dois faire face à des difficultés, à des intimidations, le serpent c'est aussi quelque chose qui nous fait peur, hein. Eh bien, je ne me laisse pas intimider. Si je dois tenir bon face à des addictions, si on pousse la lecture sur cette carte-là qui peut parler aussi des addictions, je tiens bon, je fais face avec courage pour trouver mon équilibre, pour trouver cette bonne distance avec ce qui m'attire et en même temps qui pourrait tant m'attirer, vous savez, comme un trou noir m'engloutir. Donc,
Voilà, je sais tenir la bonne distance, je sais tenir bon face à la difficulté. Ça peut être dans différents domaines. Si j'ai tendance à vouloir renoncer face à certaines choses qui m'attirent, qui me titillent, je tiens bon dans mes choix, dans mes décisions, qui sont des décisions que j'ai décidées parce qu'elles sont bonnes pour moi. Voilà, vous êtes invité à regarder un peu cette juste distance face à ce qui pourrait vous tirailler. Donc, vous avez trois messages. J'espère que ça a répondu et que ça a éclairé et que ça vous a aidé dans votre questionnement, dans ce qui se présente à vous et par rapport peut-être aux bonnes intentions de la nouvelle année. Eh bien, vous aurez des pistes. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an. Et voilà, amusez-vous bien. Profitez de ce temps-là. Et si vous avez choisi de vous détendre et de ne rien fêter, ma foi, faites-le avec douceur et que ce soit le meilleur réveillon pour vous possible. Bye bye.